Alors, les équations de la machine à courant continu. Donc, je rappelle que le modèle électrique de l'induit, hein, l'induit de la MCC, hein, c'est la partie, ce sont les enroulements qui sont sur le rotor, donc est constitué en série d'une résistance qui correspond à la résistance du bobinage, une inductance qui correspond à l'inductance du bobinage, et la création de la force contre-électromotrice qu'on représente ici comme un générateur de force contre-électromotrice E de T. Donc UM de T, c'est la tension aux bornes de cet induit, on l'appelle borne, tension aux bornes du moteur. Donc la première loi, bah, c'est la loi électrique, c'est tout simplement la loi des mailles. Donc, ça, c'est l'équation que j'ai notée ici. On vous demande souvent soit d'identifier, soit de passer dans le domaine de Laplace. Donc là, je vous ai passé l'équation dans le domaine de Laplace et on vous demande souvent d'arriver à ça. C'est-à-dire d'arriver à la fonction de transfert. En sortie, on a l'intensité et en entrée, on a la tension moteur moins la force contre-électromotrice. Et donc, on a quelque chose qui est égal à ça. Voilà, qui est égal à cette valeur qui est là. Donc, ça, c'est le 1 sur R, c'est le gain. Et L sur R, pardon. L sur R, c'est la constante de temps. Donc ça, c'est à bien retenir pour analyser les courbes de réponse et ainsi de suite, hein, les courbes de réponse temporelle. Ensuite, les deux équations de couplage. Donc c'est le couplage en force contre-électromotrice. Donc la force contre-électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation. Hein. Je rappelle que cette force contre-électromotrice, c'est elle qui fait tourner le moteur. Hein. C'est cette force contre-électromotrice qui génère le couple de rotation. Et enfin, le couple, lui, est proportionnel à l'intensité qui circule. En utilisant les unités du système international, on peut écrire que KE égale KC. Et attention, dans les unités du système international. C'est-à-dire, pour le KE, ça va être des volts secondes, et pour ici le KC, ça va être des newton-mètres par ampère. Et attention, dans les documentations techniques des moteurs, on donne souvent KE en volts par milliers de tours par minute, par exemple. Donc attention aux conversions. Enfin, la partie mécanique. Donc si on appelle JEQ le moment d'inertie ramené à l'axe moteur de la machine, CM le couple moteur et CF le couple de frottement, assez classiquement, on a le PFD qui nous donne cette équation qui est là. De la même façon, on vous demande souvent de l'analyser ou de l'écrire dans le domaine de Laplace, hein, dans le cadre d'un schéma bloc, d'une étude d'asservissement. Donc, deux grands cas de figure. Le cas de figure où le frottement est nul, et on a tout simplement la vitesse de rotation du moteur sur le couple qui était égale à 1 sur PJQ, JEQ. Et cas aussi assez courant, on considère qu'on a un couple de frottement visqueux, donc proportionnel à la vitesse de rotation. Et là, on trouve une fonction de transfert du premier ordre avec un gain qui est égal à 1 sur F, et à nouveau une constante de temps pour cette partie mécanique de JEQ sur F.